Après avoir occupé plusieurs métiers, Yves Fortier est un célébrant de mariage depuis une dizaine d'années. Il aime voir les couples heureux et apporter son apport à leur bonheur. Malheureusement, la route de la vie fut cruelle avec lui dès sa naissance et deux maladies majeures changeront son destin à tout jamais. Ceci est très importante pour eux puisque vous serez témoin par votre présence de leur amour. Je suis né le 6 mai 1960 dans la paroisse de Saint-Roch au Québec. Je suis le deuxième enfant d'une famille de 10. Les autres jumelles et mes autres sœurs sont décédées à la naissance. Alors, ce qui reste, c'est que il me reste un frère qui a 7 ans de différence avec moi. Et c'est ce qui forme la famille de 2 enfants sur 10. Alors oui, alors le 7 ou 8 ans, mes parents se sont séparés. Dans la fin des années 60, c'était pas à la mode, ça. On parlait pas beaucoup de ça à la télé non plus. Et puis, alors je suis arrivé de l'école un bon soir et puis ma mère, depuis là, était partie. Elle avait décidé de refaire sa vie ailleurs autrement. Parce qu'à la maison, chez moi, c'était difficile. Mon père était une personne particulière et ma mère était une femme très soumise. Ce qui explique pourquoi elle a quitté la maison, pour pouvoir vivre une vie normale et sa vie de femme normale. J'ai été placé à l'époque, ça s'appelait la sauvegarde de l'enfance. Ils ne sauvegardaient pas grand-chose. Ils nous plaçaient dans des maisons sans trop souvent même vérifier où on allait. Et il y a des endroits où ça a été très difficile. On ne s'est pas toujours bien occupé de nous. Souvent, les jeunes nous gardaient que pour l'argent. Il n'y avait pas de bien-être à passer pour l'enfant. C'était pour avoir les sous, souvent c'était ça. Je suis resté dans un endroit, dans une cave de maison, où ce que ma chambre, c'était deux murs en préfini, avec une porte barrée par l'extérieur avec un cadenas. Alors, je ne pouvais pas sortir de là, sauf pour les repas. Et puis, en plus, cette personne où je demeurais, c'était un policier d'Orsainville à l'époque. Et j'avais comme une travailleuse sociale, si on veut, qui travaillait pour la sauvegarde de l'enfance, qui venait me visiter régulièrement. Et j'ai insisté plusieurs fois afin qu'il puisse me laisser sortir de la chambre. C'était impossible. Il disait que j'étais trop grouillant, je dérangeais trop. Alors, ce qui n'était pas le cas. À ce moment-là, je me sentais pas vraiment bien parce que la première place où je suis allé rester, quand mes parents se sont laissés, c'était chez un de mes oncles. Mais ma tante n'approuvait pas le geste que ma mère avait posé, donc ma mère n'avait pas le droit de venir me voir. C'était vraiment difficile et atroce pour un jeune enfant de 7-8 ans de ne pas pouvoir voir sa mère régulièrement. Je la voyais 5 minutes aux 2 semaines quand l'autobus la laissait au coin de la rue, qu'elle faisait le tour, qu'elle revenait. C'est le seul temps que je pouvais la voir. Et puis, c'était une période très difficile, mouvementée, en émotion, qui a été beaucoup trop longue pour moi, mais qui, selon les experts, était normale, mais pour moi, c'était beaucoup trop long. Ce qui fait qu'à un moment donné, bien, j'ai vraiment mis de la pression, et j'ai vraiment exigé qu'elle ait déménagé et d'aller ailleurs. Et là, je me suis ramassé dans une autre famille, qui, eux, vraiment, avaient vraiment le sens de la famille, et qui m'ont appris plein de choses, et qui m'ont aimé comme j'étais, avec ce que j'avais. Et ça a été très agréable à ce moment-là. J'ai retrouvé goût à la famille, à ce moment-là, avec ces gens-là à Beauchâtel. Yves Fortier a la permission de voir son père la fin de semaine, mais ce dernier ne lui donne pas l'éducation souhaitée. Oui, moi, j'avais le droit de sortir la fin de semaine. Ma mère demeurait avec quelqu'un, mais mon père demeurait à l'hôtel Saint-Roch, à Québec, un très bel endroit, chic et recommandable. Alors, j'allais le voir dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel Saint-Roch. Et je me souviens que le 8 décembre 1973, mon père, juste avant que je parte l'après-midi, a décidé que c'était le temps de me présenter la vie et de me présenter qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant qu'homme avec ce qu'on avait comme membre sur nous. Et vraiment, ça n'a pas été une expérience très, très intéressante. Alors, bien sûr qu'il y a eu des attouchements de sa part et qu'il a fallu que je répète, il voulait également que je répète ces attouchements-là sur lui également. Alors, c'était très, 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 très désagréable, ça. Et ça a été marquant. Et vraiment, ça m'a levé le nez un peu sur la vie et sur la présentation de ce que pouvait être une vie amoureuse d'un corps d'homme versus une femme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de respect là-dedans. Et puis moi, bien, j'étais un peu obligé de répondre à ça, à ce qu'il voulait. C'était mon père, puis même si je voulais pas, bien, il y avait des grandes mains, puis il savait où aller, là. En plus de cette situation-là, à l'école, j'ai fait la connaissance d'une personne que je croyais qui pourrait m'aider, étant l'animateur de pastoral à l'école. Alors, je me suis confié à lui. Mais en me confiant à lui, en fait, je lui confiais les choses que mon père faisait,
que je pensais qu'il pourrait m'aider. Mais finalement, avec lui, j'ai eu également des abus. Ça se déroulait chez lui. Il nous attirait chez lui. Quand je dis nous, c'est parce qu'on était plusieurs membres de l'école, des jeunes hommes qui étudiaient, qui allaient chez lui la fin de semaine pour faire du pédalo, puis jouer avec les chiens, puis faire la pelouse, l'entretien un peu du terrain. Et puis à chaque samedi soir, c'était comme ça, toujours. On mangeait, après le souper, il allumait le foyer dans le grand salon et on s'installait au salon pour prendre le digestif. Imaginez-vous, à 14-15 ans, prendre le digestif. Alors, on avait crème de menthe, puis on a tout ce qu'il fallait pour ça, avec le foyer, bien sûr, qui était allumé. Et un foyer allumé avec un verre de boisson, bien, on fait quoi? On se détend. Alors, bien sûr, c'était lui le premier à se détendre. Puis, et à nous dire, nous expliquer qu'on était tous des garçons, donc tous pareils, tout le monde ensemble. On avait tous le même corps, donc on pouvait tous prendre la même pose, c'est-à-dire tout le monde tout nu. Alors, et puis là, c'était comme ça que ça se déroulait. Puis sans l'oublier non plus qu'il y avait des petits joints qui se roulaient et qui nous passaient pour nous faire fumer, tout le monde. Et puis, c'est un peu comme ça que ça se passait. Et puis, le plus chanceux de la gang, ben pouvait dormir avec lui dans sa chambre le soir. Et faut croire que j'étais chanceux parce que j'ai dormi trop souvent en haut. Alors, j'aimais mieux dormir en bas sur le sofa, mais je finissais souvent pour dormir en haut. C'était toujours moi qui gagnais du chapeau. Fait que pour moi, le chapeau était tricoté, serré, parce qu'il y avait plusieurs coupons avec mon nom pour moi. Heureusement, une bonne personne arrive dans sa vie et lui redonne confiance en lui. Heureusement, l'année suivante, j'ai changé d'école. Donc, changement d'école, changement de l'aumônier, le pastoral. Ouf! Lui aussi m'invite chez lui pour faire de la poterie et de la céramique avec lui. Mais mal échaudé la première année. Alors, je me dis que je suis pas certain si je vais accepter. Finalement, en me renseignant, j'apprends qu'il demeure avec sa mère et que c'est fréquent qu'il donne des cours privés à la maison. Alors, j'accepte d'y aller. Et puis, au fil du temps, je lui raconte ce qui m'est arrivé avec mon père et avec l'autre aumônier. Et il me dit de dénoncer parce que c'est impensable que des choses comme ça puissent se passer à l'école. Il m'a dit, dénonce, gêne-toi pas, mais je n'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas briser la vie de personne. Même si la mienne était déjà brisée, je ne voulais pas en briser d'autres. Alors, parce qu'en nommant des noms et tout, ben, ça dérange du monde et tout. Alors, j'ai préféré garder ça comme ça. Et puis, je n'en ai pas parlé à personne. Alors, j'ai été camelot également à un moment donné dans ma vie. Et puis, lorsque tu es camelot, ben, tu as un directeur de district qui s'occupe de toi. Et puis, camelot, alors tu livres les journaux, tu ramasses l'argent des gens. Et puis moi, bien, parfois, je manquais de sous, alors je prenais un peu d'argent là-dedans pour acheter mes affaires. Puis lorsqu'il venait le jeudi pour me faire sa collecte, bien, des fois, il me manquait des sous. Et il me disait, c'est pas grave, il dit, laisse faire ça, il dit, on va le payer autrement. Alors, il m'amenait chez lui, et puis, il fallait que je le paye en sexualité. Chez lui, pendant que sa femme, pardon, était partie chez Steinberg faire l'épicerie, c'était entre deux paquets, là. C'était le petit paquet qui passait. C'était moi, ça. Et puis, ça a duré pendant presque 2 ans. À chaque fois qu'il me manquait 20 cents, en tout cas, ça a été très difficile, ça aussi. Et puis lui, il y a 4-5 ans, j'ai voulu le dénoncer, il est décédé. Alors, j'ai fouillé avec la police, puis il est décédé. Alors, j'ai pas eu beaucoup de scolarité, parce que mon père me disait que l'école, c'était pas très important, qu'on pouvait faire plein de choses dans sa vie sans aller à l'école. Alors, j'ai terminé en secondaire 3. Et j'ai fait plein de métiers dans ma vie, dans une cuisine de restaurant. J'ai travaillé dans le meuble à l'extérieur, à Québec, aux États-Unis également, un peu partout. J'ai fait de la musique, de la disco mobile, de l'animation de soirée. J'ai fait vraiment plein de choses. J'étais vendeur dans un magasin de vêtements pour hommes et plein de trucs. 1001 métiers, 1001 problèmes et 1001 succès et résultats à la fin. Dans mes 1001 métiers, j'ai rencontré ma femme dans un magasin où on travaillait ensemble. Je nous suis rencontré, j'avais 19 ans. Et nous nous sommes mariés à 21 ans, 2 ans plus tard. Et nous avons une fille, 7 ans plus tard. Et puis nous avons demeuré à Québec, à Trois-Rivières. Nous avons eu un mariage intéressant tout le temps, jusqu'en 1995, où un bon matin, je me suis réveillé, j'allais pas très bien. Je suis allé voir le médecin et j'ai fait une méningite. Je suis rentré d'urgence à l'hôpital pour me faire soigner ça. Et j'ai été plusieurs semaines à l'hôpital parce que c'était difficile. Ils m'ont fait des ponctions lombaires dans le dos quand je suis arrivé.
Ils m'ont laissé là parce qu'il y avait de l'urgence. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont enlevé l'aiguille, ils en ont fait une autre. Bref, en résumé, ça a été une hospitalisation qui m'a paru des semaines, mais apparemment, ça a duré juste quelques heures. Alors. Et suite à ça, à ma méningite, bien là, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. Il a fallu que je me reprenne en main, que je donne un peu de temps à mon corps de se replacer pour pouvoir refaire autre chose, reprendre le travail. Et par le biais des petites annonces dans le journal, j'ai trouvé un monsieur, une entreprise qui cherchait un disque de jockey et un animateur pour les soirées. Alors, je suis allé le rencontrer et après l'entrevue, il me dit, je vais penser à ça puis je vais vous rappeler, voir ce qu'on peut faire. Et moi, je voulais travailler, je lui ai dit, pourquoi attendre de me rappeler, je suis là présentement, prenez-moi, je suis le meilleur, pourquoi vous ne me prenez pas? Vous devriez dire oui tout de suite, votre cas va être réglé puis vous allez avoir la bonne personne. Si vous voulez en progresser, ça vous prend, faut choisir dans votre entreprise. Finalement, après tout ça, il m'a dit, c'est beau, je t'engage. Alors, j'ai travaillé près de 10 ans pour lui, Alain, puis on a eu une bonne relation. Et Alain Simard d'Audio Plus m'a beaucoup aidé à me replacer, le moral, le physique et tout. Et il m'a aidé et il m'aide encore depuis toutes ces années. Durant mes animations de mariage, je trouvais vraiment trippant de voir les célébrants qui venaient pour marier les gens, juste avant que moi je m'occupe de la soirée. Et vraiment, ça m'excitait beaucoup, puis j'avais vraiment le goût de participer à cette portion des animations de mariage. Alors c'est ce qui m'a donné le goût vraiment de devenir célébrant de mariage civil, via cette personne que j'ai rencontrée, M. Lafrance, qui était le directeur de Québec. Alors, avec mon insistance, avec le temps, il finit par me donner ma chance, il m'a proposé d'œuvrer comme célébrant de mariage civil. Ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Et mon plaisir là-dedans, c'était de pouvoir rencontrer les couples et aussi de leur apporter le bonheur et qu'ils puissent avoir une célébration à la hauteur de ce qu'ils attendaient et de ce qu'ils étaient. Fonceur, comme toujours, Yves ne laisse pas aller les belles opportunités. Alors, mon travail de célébrant, j'ai vraiment pris ça à cœur, comme tout ce que je faisais toujours dans ma vie. Et un soir, que j'étais assis dans mon salon à écouter la télé, je vois Cathy Gauthier qui passe à la télé et qui dit qu'elle se cherche un célébrant pour s'unir avec son mari, son époux. Alors, je fais aussitôt comme d'habitude, je me jette sur mon ordinateur, j'écris à Radio-Canada afin de pouvoir avoir la chance de lui parler pour pouvoir échanger avec elle sur son mariage. Ce qui fut fait quelques jours plus tard, je reçus un appel de son attaché de presse et quelques jours par la suite, je la rencontrai chez elle afin d'élaborer tout ce qui pouvait avoir lieu dans son mariage. Qu'est-ce que je pouvais lui offrir et pourquoi j'étais le meilleur pour la marier, mes qualités de célébrant, tout ça, ce qui l'emballa et ma croyance et tout ça. Ce qui fut que c'est moi qui l'ai finalement marié, il y a déjà 3 ans, ça. Et puis, ce fut un mariage vraiment sensationnel, dehors. Et puis, le matin du 1er avril 2017, à 6h moins quart, je sentis quelque chose dans mon corps qui n'était pas normal. Je me suis donc affaissé sur mon bureau et ma femme qui descendit par hasard me trouva donc sur ce bureau et me dit de ne pas bouger que je faisais un AVC. Elle appela le 911 pour me faire amener à l'hôpital. Et une fois rendu à l'hôpital, on vit la gravité de ce qui m'arrivait. Ce n'était plus un AVC, mais bien une hémorragie cérébrale. Beaucoup plus troublant et beaucoup plus de conséquences parce qu'il y a beaucoup d'épandement de sel dans le cerveau supérieur à un AVC. Le médecin lui donne 2 possibilités. Soit il l'opère et il ne marchera plus jamais, soit il n'intervient pas et il mourra. J'ai décidé que moi, je voulais vivre encore. Alors, on m'a opéré et après cette opération-là, j'ai été dans un coma pendant 1 mois. Et ce coma-là m'a permis de faire la rencontre de mon beau-père qui était décédé depuis 17 ans déjà. On a eu la chance, lui et moi, de converser ensemble, de se taper sur l'épaule et de l'écouter me dire à la fin, retourne en bas, les filles ont besoin de toi. Il n'y a pas de place pour toi ici. Alors je suis redescendu et là je me suis éveillé. Et en me réveillant, c'est là que j'ai pris connaissance des séquelles et des conséquences de ce qui m'était arrivé après l'opération et tout, que là j'étais vraiment paralysé du côté gauche complètement, que je ne marchais plus. Et on me dit, Monsieur Fortier, vous ne marcherez plus jamais. Oubliez ça, la marche, vous ne pourrez plus jamais marcher, c'est impossible avec ce que vous avez. Et je leur ai dit, vous ne me connaissez pas. Vous allez voir, je suis déterminé et un jour, je vais marcher. Et aujourd'hui, je marche. Pas comme avant, c'est sûr, mais l'important, c'est que je marche. Je suis autonome et je peux me déplacer facilement avec ma canne tout seul pour de courtes distances. Et ça, c'est important.
J'y croyais, j'y crois toujours et je m'améliore toujours encore à chaque année. À chaque jour, pardon. Alors, après mon hospitalisation, il est venu une période de réadaptation au centre François Charon, à l'IADPQ, où je suis allé, pour me disant que je retrouverais mes sens et tout. Mais ce qu'on m'a dit en entrant là-bas, la première chose, c'est que avec ce que vous avez, c'est sûr que vous ne marcherez plus jamais. Oubliez ça, vous ne pourrez pas marcher. J'ai trouvé ça très encourageant, mais je leur ai répété à eux aussi, vous allez voir, je vais marcher. J'ai des petites filles, puis je vais marcher pour jouer encore avec eux. Et pendant que j'étais là, j'ai eu beaucoup d'encouragement de mes amis, ma famille, mes amis. Et entre autres, j'ai eu la chance d'assister à un spectacle de Denis Villeneuve qui, pour moi, a complètement changé ma période de réadaptation. Les paroles de ses chansons m'ont vraiment amené à une vision de la vie que j'espérais et que je voulais et vers laquelle je me dirigeais parce que j'avais les efforts, l'encouragement de sa part à elle, parce que je l'ai rencontré déjà quelques reprises, puis ces encouragements de mes amis aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis dans cet état-là. Et elle m'a dit, vous êtes vraiment tenace et vous allez vous en sortir. Elle a signé à ce moment-là ma canne à moi, Annie, et on a nommé cette canne Annie, et c'est cette canne-là qui me dit, à chaque fois que je marche, je sens qu'elle est plus près de moi et qu'elle m'aide à avancer et à me relever, ce qui est très important. Il reste que ma vie a changé, c'est certain. On a dû vendre la maison, car elle n'était plus adaptée pour moi. On a dû déménager pour habiter un condominium, qui est tout à fait adapté pour moi. Ce sont les conséquences de ma maladie. Et puis, je reprends du poil de la bête de jour en jour. Je suis en train de repasser des examens pour recevoir mon permis de conduire à nouveau pour avoir le droit de conduire des voitures. Alors, pour moi, c'est un gros changement. Et puis, ça a été des efforts sans relâche depuis un an pour arriver à déjouer tout ce qui m'avait été dit, prédit par le centre de réadaptation ou l'hôpital. Mais j'en suis fier aujourd'hui parce que j'ai réussi à franchir ce qui était infranchissable au départ. Et j'en suis très content, très heureux, très fier. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui pourraient être dans ma situation, c'est toujours de regarder en avant et de regarder ce qui reste à faire, ce qui pouvait être fait encore, et s'accrocher à ça. C'est cette force à l'intérieur qu'on a qui se découvre à ce moment-là et qui nous amène plus loin, qui nous pousse à se dépasser de nouveau. Et grâce à ma troisième vie, parce que j'ai cette maladie que je viens d'avoir, c'est comme une troisième vie pour moi, après ma naissance, ma méningite, maintenant mon hémorragie cérébrale. Alors, cette troisième vie, j'ai l'intention de la vivre à fond, pleinement, avec le cœur rempli de joie et d'amour pour ceux qui m'entourent. Et il faut toujours rester victorieux et croire que le meilleur est toujours à venir. Et c'est comme ça qu'on atteint notre but. Yves Fortier a fait preuve de résilience plusieurs fois dans sa vie. Sa grande volonté de guérir et sa soif de vivre font de lui une source d'espoir pour chacun de nous. C'est ça la vie.